À votre avis, combien de temps il faut pour faire remonter les besoins de tous les habitants d'un village de 700 habitants? Il faut 35 heures, avec une équipe de 4 personnes. On l'a fait parce que, avec Judith Hennes et Stéphane Krashcik, on est persuadé que pour reconnecter les gens au collectif, il faut passer par le besoin individuel. Et donc, on a fait du porte-à-porte, et on est allé voir tous les habitants du village de Léa. Et on leur a posé 4 questions. Ces 4 questions, c'est: qu'est-ce qui vous plaît dans votre village? À quelles activités est-ce que vous aimez participer? Quelles activités il pourrait y avoir de plus? Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus pour améliorer la qualité de la vie dans le village? Ces 4 questions sont basées sur une méthode de psychologie positive qui s'appelle l'enquête appréciative. C'est une méthode qui va mettre les gens interrogés dans une posture constructive plutôt que revendicatrice. Les 2 premières questions servent à faire un état de ce qui fonctionne, de ce qui marche, de ce qui va bien, de ce qu'on aime bien. Les 2 questions suivantes vont permettre de savoir ce qu'on veut construire de plus, ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'il peut y avoir en plus par-dessus ce qui existe déjà. Et donc, on a pris tous ces résultats et on les a mis en ligne. Ensuite, on a créé une synthèse qu'on a distribuée dans toutes les boîtes aux lettres pour que toute la population monte en compétence sur le besoin commun, qu'ils puissent tous comprendre quels sont les besoins des autres par rapport aux leurs. Et donc, vous savez ce qui plaît aux habitants du village de Léa? C'est le calme, la tranquillité, la nature, la vie de village. Les activités auxquelles ils aiment bien participer, c'est les activités du sous des écoles et l'aléasienne, qui est une course de randonnée qui a lieu chaque année. Et ce qu'ils voudraient avoir de plus, c'est plus de convivialité. Ils voudraient un commerce de proximité. Ils voudraient plus de sécurité autour de la départementale et plus de transport en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on allait voir les gens, parfois ils nous disaient « Alors, il y a bien un truc, mais ne notez pas sur votre papier, c'est un peu stupide. Mais je pense que ça serait bien d'avoir un dépôt de pain ou un commerce de proximité. Mais le notez pas, c'est un peu bête, c'est juste moi, c'est pas grave. » Et quand je leur disais en fait que les 50 autres personnes avaient dit exactement la même chose, du coup leur visage s'éclairait, s'illuminait. Ils se sentaient légitimes dans leurs besoins. D'un seul coup, ils avaient le droit de l'exprimer. Et c'est des histoires comme ça, j'en ai plein. Chaque porte-à-porte, chaque personne à qui on va parler est différente. Et elle va offrir une vision de plus en plus riche du territoire sur lequel on fait ça. Ensuite, on va organiser un atelier participatif. On va créer un espace-temps où les habitants vont pouvoir réfléchir ensemble à la manière de répondre à leurs propres besoins. L'atelier participatif de Léa, le thème, était « Faire battre ensemble le cœur de notre village ». Et ils ont pu réfléchir ensemble. Il y a des projets de jardins partagés, de cuisine collective, des projets pour améliorer la convivialité, un projet de commerce de proximité. Et à chaque fois, le maire, qui était présent avec quelques élus, a pu se positionner en facilitateur. Pour le jardin partagé, il a pu annoncer qu'il y avait une personne qui était décédée et qui avait légué son terrain à la commune et que ça pouvait être utilisé pour faire un jardin partagé. Pour le commerce de proximité, il a dit que le bâtiment de l'ancienne station-service avait été nettoyé et que c'était ouvert, on pouvait le prendre pour faire un commerce de proximité. Et donc, il y a beaucoup de projets qui ont émergé. Et ensuite, on a fait un apéro. Parce que c'est important aussi de célébrer le travail qui a été fait. Donc on a bu un coup tous ensemble et les gens ont pu s'inscrire sur les différents groupes projets pour savoir sur lesquels ils voulaient contribuer. Ils ont pu s'engager auprès des différents projets. Et un mois plus tard, on a organisé une réunion tous ensemble pour infuser un petit peu de méthode dans la gestion des projets, pour leur donner des techniques d'animation, pour qu'ils puissent comprendre que c'était tout à fait possible de travailler ensemble de la convivialité, en s'amusant, que ça n'avait pas besoin d'être un fardeau. Et au cours de cette réunion, est né le collectif citoyen de Léa, dont la mission est d'infuser de l'énergie et des ressources dans tous les projets qui vont naître dans le futur dans le village. Et ce qu'on a fait là, c'est une méthode que l'on a créée qui s'appelle Solucratie. C'est une méthode ouverte et partagée qui consiste en 4 étapes. La première étape, c'est réunir une équipe locale. La deuxième étape, faire émerger les besoins. La troisième étape, organiser des ateliers participatifs pour imaginer des solutions collectivement. Et la quatrième étape, accompagner les projets qui sont nés. Cette méthode, elle est en open source, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on va le documenter en ligne, on va le mettre en libre pour que tout le monde puisse en bénéficier, pour que cet outil soit un outil créé en commun, pour que les expériences locales bénéficient au niveau global, et que chaque nouvelle expérience enrichisse l'outil. Et on documente tout et on crée un kit qu'on va pouvoir déployer sur les territoires. On a déjà commencé. On a commencé avec le quartier prioritaire de Ferney-Voltaire, 1400 personnes. On a Évrard à Abidjan qui nous a contactés pour déployer un projet en Côte d'Ivoire. On a commencé à accompagner Alain aux Fraisses dans le Tarn qui voulait aussi déployer un projet.
Ce qu'on voudrait créer comme monde, c'est un monde où les élus puissent se positionner en tant que facilitateurs des énergies locales, au lieu de porter sur leur dos le poids de leur commune. Ce qu'on voudrait, c'est que nous, citoyens, consommateurs du service public, on puisse redevenir contributeurs du bien-être commun. Et du coup, j'ai une question pour vous. À votre avis, combien de temps ça prend pour faire remonter tous les besoins d'un pays entier ?